les jeunes reporters internationaux du lycée français Jean Monnet de Bruxelles ont eu l'honneur de couvrir la 11e édition des Giges qui se sont déroulées à Bruxelles. L'aventure jeune reporter a commencé maintenant il y a 3 ans au lycée français Jean Monnet de Bruxelles. La première cohorte de 6 élèves collégiens a pu s'initier sur des compétitions internes à l'établissement ou encore la journée nationale du sport scolaire. Nous, en tant que jeunes reporters, les Giges, ça nous a permis de faire plein de rencontres extraordinaires. Comme par exemple avec le caricaturiste Nicolas Bado qui a développé nos connaissances sur le monde du reportage. Ou comme Maliem était là, ambassadrice des Giges que l'on a revue à l'événement Shirens. Grâce aux jeunes reporters internationaux, nous avons fait des podcasts, manipuler la web radio, et notre meilleur souvenir c'est... C'était quand nous sommes allés interviewer l'ambassadeur de Tunisie chez lui pendant les Giges. Dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, notre studio web radio permet aux élèves de réaliser de façon autonome des podcasts, des émissions, non seulement lors de l'intervention des jeunes reporters, mais également tout au long de l'année, lors de nos séquences d'enseignement. Le partenariat avec le CLEMI pendant les Giges leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences grâce à l'utilisation d'une web radio mobile. Être jeune reporter m'a permis de pouvoir travailler la prise de parole comme lors de la conférence de presse des Jeux internationaux de la jeunesse. Je suis jeune reporter au lycée français Jean Monnet de Bruxelles et l'année dernière, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour aller à la journée nationale du sport scolaire à Paris et j'ai rencontré Tony Estanguet et j'ai parlé avec Monsieur Blanquer. Cela fait maintenant plusieurs années que nous développons l'éducation aux médias par le travail de nos jeunes reporters internationaux afin de faire rayonner notre établissement tant sur le plan culturel que sur le plan sportif. Au sein de notre ligue sportive Zenos, nous travaillons conjointement avec le lycée français Charles de Gaulle afin de couvrir médiatiquement les différents événements proposés. Si je devais choisir quelques mots-clés à associer avec les jeunes reporters internationaux, ce serait éducation aux médias et à l'information, citoyenneté, émulation, partage, engagement, valeur et rayonnement du réseau.